Maman. Je dois y aller. Repose-toi. Oui. Je t'aime. Moi aussi. Bisous. Bisous. Bonjour, Noël. Bonjour, Sandra. Allô? Ma chérie? Oui. On est à la clinique là. On est en salle de travail. Faut venir, Noam. Dépêchez-vous. Je vais être papa. Je vais être papa! Je vais être papa! T'inquiète pas, papa, je le serai jamais. Mais t'es qui, toi, bordel? Papa. Pourquoi tu m'appelles papa? Et enlève-moi ta main d'ici, là. Sympa, l'accueil. Et t'es qui? Je peux savoir? Ben, ton fils. Enfin, ton futur fils. C'est pas possible, tu peux pas être là, t'es même pas encore né. Ouais, ça, c'est vrai. Mais vu que t'es déjà en train de tout planifier avant ma naissance, j'ai décidé de venir. Pour arrêter ton délire, là. Ça y est, je crois que je suis en train de rayer du casque. Mon délire. Attends, mais c'est toi le délire. Je suis en train de parler avec mon fils qui est même pas encore né. Ouais, bah ça peut arriver. Attends, c'est quand même la classe, ça, pas, non? Et puis, tant qu'on parle de mon avenir, moi, je me verrais bien dans un groupe de rock. Bah c'est ça, ouais. Puis quoi encore? Bah, avoir des milliers de fans, des filles à ses pieds, et kiffer un max. Mais c'est pas un métier, ça. J'ai pas mis au monde un enfant pour qu'il se retrouve à kiffer un max avec plein de filles à ses pieds, je sais pas quoi, là. Ah, parce que tu crois que ça se passe comme ça, dehors? Bah tu vois, tu vas sortir du ventre de ta mère, tu vas être vite déçu, moi, je te le dis. Ok, donc en gros, tu vas être le père relou, rétro, avec des principes dépassés, quoi. Eh bah ouais. Tu vas faire de longues études pour avoir un bon boulot. Parce que là, c'est cool, hein, t'es dans le ventre de ta mère, tu flottes, tu t'amuses avec ton cordon ombilical, c'est génial. Mais dehors, c'est pas comme ça. Papa, ça va. Mais c'est la crise! Et ton groupe de rock? Ça a rien à voir. Je voulais pas en faire mon métier. Bon, ok. Pas de groupe de rock. Dans ce cas, acteur. De quoi? Mais c'est pire! Mais tu veux finir toute ta vie au chômage? Et toi? Tu voulais faire quoi à mon âge? Archéologue? Archéologue? Comment t'as fait pour finir dans les assurances, quoi? Ça, c'est la loose, mais grave, ça, pas. Bah quoi, c'est très bien, les assurances. Et surtout, tout le monde en a besoin. T'en me dis pas que c'était une vocation, en plus, quoi. Bon, c'est ton avenir qu'on parle là ou c'est du mien? T'es même pas encore né que tu me crées déjà des problèmes. Et c'est pas moi qui l'ai grillé le feu. Il était orange. Oui, bah orange, on ralentit pour s'arrêter au rouge. Bon, ça va maintenant. C'est quoi ça encore? Oui, bonjour. T'aurais pas un peu de... parce que... des ondes? Non, écoutez, j'ai pas, monsieur, j'ai pas le temps. Écoutez, il faut que j'y aille là. J'ai mon fils. Mais non, écoutez, j'ai mon fils qui me perturbe. Mais... T'as ton vu au fils? Non, il est pas là, il faut que j'aille à la clinique. Écoutez, j'ai pas le temps. Voilà, je vous donne tout ce que j'ai. Voilà,
Très bien. Il faut que j'y aille là, monsieur. J'ai pas le temps. C'est suffisant, ça. Il faut remplir. Voilà, j'ai 5 euros. Prenez tout. Ah, merci beaucoup. Ouais, 5 euros. Je suis vraiment désolé. Il faut que j'y aille. Tu m'accompagnes? Non, non, je peux pas, monsieur. Ah oui, c'est sympa. Merci. Bonne journée, monsieur. Oh, l'enfoiré. Je suis désolé. Ricky, tu t'excites, là. Il est où, l'acteur musicien? Qui ça? Mon fils. Papou. T'as un fils et tu nous l'as pas dit? Ça va faire plaisir à maman? Papou. Mais comment veux-tu que je t'appelle, papa? Trop ringard, en fait. Puis c'est quoi cet accoutrement, là? C'est toi qui m'as acheté ces vêtements. Trop amnésique, en fait. Hein? Ouais, donc cet été, avec Ben, on part à Ibiza. Pardon? C'est qui, celui-là? DJ Ben. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. 2 mois? Et tu veux que je te laisse partir avec lui à l'étranger? Mais même en rêve, je te laisserai pas partir. C'est quoi ton délire à toi? Tu le connais même pas, ce mec. Tu veux aller où? Papou, il y a juste une seule chose, d'accord? Il y a juste une seule chose en ce moment qui me rend heureuse dans la vie, c'est d'être avec Ben, d'accord? C'est mon choix, d'accord? Je suis bien avec lui, j'ai juste envie de partir en vacances avec lui, je demande pas grand-chose. De toute façon, c'est pas possible. Tu penses qu'à toi, c'est pas possible. Il y a juste un seul truc qui peut me rendre heureuse. Non, c'est pas possible. De toute façon, je sais même pas pourquoi je te demande. Maman, elle me l'avait dit que tu voudrais jamais. Que voilà. Bon, ça va. Je vais réfléchir. Ah, t'es trop génial. Je te remercie. Merci, papou. Pour le chèque, on verra plus tard. Quel chèque? Non, rien. Sinon, t'as déjà... Je veux dire, avec ton... Ton DJ, là, vous avez déjà... Tu sais? Je sais pas, non. Mais si, le truc, là, entre un homme et une femme. Bon, tu comprends? Papou, est-ce que c'est... Est-ce qu'on appelle ça un viol si tu veux pas trop et que ton copain te force? Je vais tuer. Je vais lui faire bouffer ses platines à ton DJ, là. Il est où? Il est où? C'est trop mignon. Attends, faut trop que je tweete ça à mes follow. Ah, d'accord, très drôle. Non, mais j'ai pas pu t'éduquer comme ça. Excuse-moi, mais une Barbie à 2 ans, un string à 6, à 12 ans devant l'équipe de Rihanna pendant que vous faites l'amour avec maman, je peux pas finir dans un couloir. Je ferai jamais ça. Oh, c'est bon, détends-toi. On était sages comme des images. Alors, t'es d'accord pour cet été? Sûrement pas avant que j'ai eu une petite conversation en tête-à-tête avec ton DJ Joker. Je suis plus sûre d'avoir envie de naître d'un coup, hein. T'es vraiment trop ennuyeux, en fait. T'es ennuyeux, en fait, franchement. Ennuyeux, quoi. Thank you.